En une fraction de seconde, il y eut le Big Bang. Et l'univers est né. En un battement de cils, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il peut se passer. Comment sommes-nous arrivés sur Terre? Et de quoi est fait l'univers? Le mystère de la création, le mystère de la vie tient tout entier dans cette première seconde. La science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé lors de l'instant le plus déterminant de toute notre histoire. Au commencement, il n'y a rien. Pas de matière, pas d'énergie, ni même de vide, car l'espace n'existe pas. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, venu de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome. Elle est 10 billions de billions de fois plus chaude que le centre du Soleil. C'est l'explosion de ce point, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, qui va engendrer l'univers. Le temps commence à se dérouler. En l'espace d'une seconde, le cosmos tout entier se profile. Comment est-ce arrivé? C'est le plus grand mystère de tous les temps. Le professeur Lawrence Krauss a consacré toute sa carrière à étudier cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Pour bien comprendre notre place dans l'univers, il nous faut revenir au tout début et à comment tout ça s'est formé. S'interroger sur l'origine de l'univers est une préoccupation relativement nouvelle. Car si la théorie du Big Bang est aujourd'hui largement acceptée, elle est née il y a seulement un siècle. Notre connaissance de l'univers est très récente. Il y a 80 ans, les scientifiques pensaient que l'univers était statique et qu'il existait depuis toujours. Tout cela change en 1929. À l'observatoire du mont Wilson, en Californie, l'astronome Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il constate que plus une galaxie est éloignée, plus la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet est grande. Plus les ondes lumineuses voyagent, plus elles s'étirent. Et par conséquent, leur longueur d'onde se modifie. Le même principe s'applique aux ondes sonores. Plus un train approche, plus son sifflet paraît aigu. Plus il s'éloigne, plus il devient grave. Plus le train est loin, plus la distance parcourue par les ondes sonores pour atteindre notre oreille augmente. Les ondes sonores s'étirent, ce qui donne un son plus grave. Quand une galaxie s'éloigne de nous, ses ondes lumineuses s'étirent, devenant plus longues et plus rouges. On parle alors d'un décalage spectral vers le rouge. Si on regarde le spectre visible, il y a le rouge à une extrémité et le bleu à l'autre. La radiation rouge a une grande longueur d'onde, tandis que la radiation bleue a une longueur d'onde courte. Et quand on observe l'univers, on voit les radiations des galaxies lointaines s'étirer et leur lumière devenir rouge. Et plus on regarde loin, plus c'est rouge. Les galaxies qui nous entourent présentent ce décalage spectral. Si on regarde un peu partout les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Presque toutes les galaxies s'éloignent à la vitesse d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Or, si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a forcément eu un moment où elles étaient regroupées. L'univers se dilate à partir d'un point unique. C'est la première preuve que l'univers a eu un commencement. Les découvertes d'Edwin Hubble vont donner naissance à un concept révolutionnaire, la théorie du Big Bang. Les scientifiques pensent qu'au cours de la première seconde qui a suivi le Big Bang,
les éléments de base de toutes les étoiles ont été créés. Pour prouver cette théorie, il faut mesurer le temps différemment. On parle de fractions de temps, plus petites que dans n'importe quel autre domaine. Plus petites que pour mesurer la vitesse d'une voiture de course ou d'un sprinter. Et nous avons découvert qu'il peut se passer bien plus de choses en une fraction de seconde, en un battement de cils, que vous ne pouvez l'imaginer. C'est ahurissant. Les heures, les minutes et les secondes sont les unités de temps qui règlent notre vie moderne. Mais les événements qui ont suivi le Big Bang se sont déroulés sur des durées bien plus courtes qu'une seconde. Pour analyser ce qui s'est passé, les scientifiques ont instauré une nouvelle unité, le temps de Planck. Un temps de Planck est égal à 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire un zéro suivi d'une virgule, puis 42 zéros et le chiffre 1. Difficile à appréhender. Pourtant, dans ce premier temps de Planck, il va se passer quelque chose qui va déterminer les 13,7 milliards d'années suivantes. De cette boule de feu vont naître les quatre forces fondamentales de la nature, celles qui sont à la base de tout ce qui nous entoure. La gravité est à l'origine de la formation des étoiles et des planètes. Elle influence la Lune et les marées et nous fait garder les pieds sur Terre. La force électromagnétique nous permet de nous éclairer, de connecter nos téléphones et d'utiliser nos ordinateurs. Et les deux forces nucléaires, la forte et la faible, servent à la cohésion des particules qui constituent notre corps et alimentent la fournaise du Soleil. Nous sommes sur Terre parce que dans la seconde qui a suivi le Big Bang, ces quatre forces ont été créées. Sans elles, l'univers ne serait qu'un amas informe de radiation. Sans ces forces, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de télé, pas de sport, pas d'amour, de haine, de tragédie humaine. Toutes ces choses qui font le sel de la vie. Lors du premier temps de Planck, ces quatre forces sont encore réunies en une seule et unique superforce. La gravité et les forces nucléaires et les forces électromagnétiques ne sont pas encore divisées. Le physicien Michio Kaku étudie la façon dont elles ont pris leur indépendance. Moi, je vois ça comme un cristal. Un superbe cristal symétrique dans lequel toutes les forces sont réunies dans leur élégante simplicité au commencement des temps. Lorsque l'horloge cosmique avance d'un temps de Planck, l'univers, qui n'est encore qu'une minuscule boule de feu, se dilate brutalement. Les quatre forces commencent à se séparer, comme si on refroidissait brusquement un cristal chauffé à blanc. Des fissures apparaissent. Il se brise en quatre. Le premier morceau qui se détache est la gravité. Ensuite, les forces nucléaires se séparent. Et finalement, la superforce se transforme en fragments de pierres précieuses. Ces quatre fragments sont toujours à l'œuvre. La gravité garde la Terre en orbite. Les deux forces nucléaires font briller le Soleil. Et le rayonnement électromagnétique donne la lumière qui baigne notre planète. Notre voyage n'a débuté que depuis une fraction de seconde. Et déjà, les fondations de notre monde sont posées. L'univers n'est encore qu'une boule de feu, plus petite qu'un atome. Et sa température est de l'ordre de 1000 billions de billions de degrés. Pour percer le mystère de l'expansion de l'univers, les scientifiques utilisent des télescopes si puissants qu'ils peuvent voir le passé. Lorsque l'astrophysicien David Spergel regarde le ciel, c'est l'histoire qu'il voit défiler. Quand on observe l'espace, on regarde dans le passé. La lumière voyage à une vitesse déterminée. Par exemple, la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous parvenir. Nous voyons le Soleil non pas comme il est, mais comme il était il y a 8 minutes. Quand on regarde les étoiles, la nuit, elles sont peut-être à 10 ou 20 années-lumière. Nous les voyons comme elles étaient il y a 10 ou 20 ans. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on se rapproche du Big Bang. La lumière des étoiles lointaines met des milliards d'années à nous parvenir.
Elle s'étire tellement durant son voyage qu'elle se transforme en onde radio. Il faut des radiotélescopes pour les percevoir. C'est l'antenne Cornet de Holmdel dans le New Jersey qui a permis d'en savoir davantage sur le Big Bang. Dans les années 60, dans les laboratoires de la compagnie de téléphone Bell, Arnaud Penzias et Robert Wilson mesurent les ondes radio émises par des nuages de gaz dans la Voie lactée. Mais l'antenne Cornet qu'ils utilisent capte des interférences. Voici ce qu'ils entendent. Et ça vient de toutes les directions. Partout où ils regardaient, ils entendaient ce même bruit de fond. Ça n'était pas logique. Ils ont d'abord cru à un défaut de l'antenne. Ils l'ont nettoyé, enlevé les fientes de pigeons qui pouvaient créer des interférences. Ils ont recalibré l'antenne, ils ont tout vérifié minutieusement. Mais le bruit de fond est toujours perceptible. Penzias et Wilson décident de se concentrer sur sa provenance. Ils ont découvert que ce rayonnement ne provenait pas de la Terre, ni de notre galaxie. Ça venait de l'espace lointain. C'était partout. Le rayonnement que perçoit leur antenne est plus ancien et plus lointain que tout ce qui a été capté jusqu'alors. Par un heureux hasard, ils rencontrent des scientifiques de l'université de Princeton qui sont à la recherche des traces du Big Bang. Ils comprennent alors que ce qu'ils entendent est un écho venu de la nuit des temps. Le Big Bang a été si violent et si chaud que des reliquats de cette chaleur sont toujours présents. Au commencement, la chaleur prend la forme d'un rayonnement X très chaud. Ce rayonnement s'étire, se refroidit et se transforme en lumière visible, passant du bleu au rouge. Puis il se transforme en micro-ondes et enfin en ondes radio. Ce faible rayonnement touche la Terre en permanence. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est l'écho de la création, les braises, les dernières lueurs de l'onde de choc originelle qui a donné naissance à l'univers. Si nos yeux étaient capables de voir ce rayonnement micro-ondes, chaque soir on pourrait assister au Big Bang. En regardant le ciel, on pourrait voir une explosion. 13,7 milliards d'années plus tard, il existe un moyen de voir ce rayonnement cosmique à l'œil nu. Sur votre télévision, quand vous changez de chaîne, un petit pourcentage de l'électricité statique que vous voyez est un rayonnement du Big Bang. Ce rayonnement cosmique est une porte ouverte sur le Big Bang. Il est également la preuve que l'univers est entré dans une nouvelle ère. Moins d'un billionième de seconde après le Big Bang, le rayonnement cosmique est la clé qui permet de découvrir ce qui se passe ensuite. L'aiguille de notre horloge cosmique fait quelques petits bonds en avant. Et la boule de feu se métamorphose. L'univers, qui était plusieurs milliards de fois plus petit qu'un atome, atteint soudain la taille d'une balle de baseball. C'est le plus fort taux d'expansion qu'il connaîtra en 13,7 milliards d'années. Les scientifiques appellent cette étape l'inflation. Et on en trouve la trace dans le rayonnement cosmique fossile du Big Bang. Tout comme la neige qui brouille votre écran, ce rayonnement cosmique semble constant et régulier. Il représente une véritable énigme pour les scientifiques. Quand on mesure le fond diffus cosmologique dans cette direction, sa température est identique à celle dans cette direction. C'est la même partout. Seule explication possible, l'univers se dilate à une vitesse incommensurablement plus grande que celle de la lumière. Lors de la phase d'inflation, l'univers enfle de manière symétrique, comme un ballon de baudruche, poussé par une énergie colossale.
Imaginez que j'appuie sur un ressort. Je le comprime au maximum. Le ressort devient plus petit et emmagasine une énergie incroyable. Et quand je le relâche, il se détend d'un coup. Toute cette énergie emmagasinée permet à l'univers une expansion exponentielle. Mais si l'univers est parfaitement uniforme dès la première seconde qui suit le Big Bang, comment sont apparues les galaxies ? À l'origine, les planètes et les étoiles ne sont que des amas de particules. Avec le temps, ces particules de matière s'assemblent sous l'action de la gravité et constituent une masse solide. La Terre n'était au départ qu'un amas de particules qui se sont agrégées sous les effets de la friction et de la gravité. Et le Soleil, qui a rendu la vie possible sur Terre, n'était au départ qu'un nuage de gaz et de poussière. Mais comment au juste vont se former ces amas ? Pour tenter de comprendre la formation des étoiles et des planètes, les scientifiques de la NASA, comme David Spergel, ont développé la sonde WMAP, un satellite chargé de mesurer précisément les fluctuations de température du rayonnement cosmologique. Ce rayonnement est omniprésent, mais il est très diffus. Et pour l'observer en détail dans le ciel, il faut s'éloigner de la Terre et de toute interférence. 7, mise à feu, les signaux sont au vert. 5. La NASA lance la sonde en 2001. Allumage des moteurs et décollage de Delta 2 et de la sonde WMAP, partie explorer le passé et le futur de notre univers. Dans l'espoir qu'elle fournisse un instantané précis de l'univers dans sa première seconde. Le lancement a été un grand moment, très intense. L'avoir décollée et constater qu'elle fonctionnait. La sonde est en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Elle est tellement sensible qu'elle peut mesurer la température du rayonnement cosmique à 1 millionième de degré près. Pendant 5 ans, WMAP va analyser le ciel dans ses moindres détails. Elle est en orbite, avec la Terre et le Soleil derrière elle, dirigée vers l'espace. Le satellite tourne très rapidement. La sonde couvre un tiers de la voûte céleste toutes les heures et dresse une cartographie du rayonnement fossile. La sonde suit la Terre dans son orbite autour du Soleil et enregistre les températures de la voûte céleste. Elle génère ensuite des cartes détaillées comme celle-ci. On y observe un phénomène étonnant. Les taches rouges et bleues dans la voûte céleste représentent de minuscules variations de température. Les petites zones bleues sont des zones où il fait quelques dizaines de millièmes de degrés plus froid. Et dans les zones rouges, il fait un peu plus chaud. On constate donc de minuscules variations de température dans le ciel. La sonde nous montre l'univers tel qu'il était il y a plus de 13 milliards d'années. L'univers continue de se dilater. Et ces minuscules variations vont se transformer en amas de particules qui vont grandir sous l'effet de la gravité et devenir suffisamment denses pour donner naissance à des étoiles et des galaxies. C'est le rêve de tous ceux qui embrassent une carrière scientifique. Voir des choses que personne n'avait jamais vues. Apprendre des choses passionnantes sur des questions fondamentales comme « De quoi est fait l'univers ? Que s'est-il passé au tout début ?» Voici une carte de l'univers dans la seconde qui a suivi le Big Bang. L'ébauche du cosmos que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque les images du fond diffus cosmologique sont arrivées, la presse a titré « Le visage de Dieu ». Soyons réalistes, ce n'est pas le visage de Dieu, c'est en fait la photo d'un bébé, d'un univers balbutiant. Et donc la découverte du fond diffus cosmologique est vraiment l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de tous les temps. Moins d'un billionième de seconde après le Big Bang, l'univers se dilate encore. La boule de feu a désormais la taille d'un pamplemousse. L'univers grouille d'énergie et de radiation. Mais, à mesure qu'il se dilate et se refroidit, quelque chose de nouveau voit le jour.
À peine une fraction de seconde après le Big Bang, le destin du cosmos semble déjà tout tracé. Le Soleil brûle grâce à des forces apparues il y a 13,7 milliards d'années. Les étoiles et les planètes se sont formées grâce à l'expansion rapide de l'univers. La science peut relier tout ce que nous connaissons aujourd'hui à la première seconde de la création. Les humains, eux, sont apparus grâce à ce qui s'est passé durant le temps de Planck suivant. L'univers est rempli d'éléments de base qui vont former la matière. Pour l'instant, à l'échelle de notre horloge cosmique, l'univers n'est encore qu'une boule d'énergie. Comment cette énergie pure s'est-elle transformée en matière? Tout ce qui nous entoure est fait de matière. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez, la planète tout entière, et la matière est constituée d'atomes. Dans la seconde qui s'écoule après le Big Bang, les ingrédients des atomes sont créés. Mais comment est apparue la matière? La question est longtemps restée sans réponse, jusqu'en 1905, année où Albert Einstein formule sa fameuse équation E égale mc2. L'équation d'Einstein signifie que l'énergie E et la masse m sont deux formes différentes de la même chose. La matière et l'énergie sont interchangeables. Cette équation a par la suite été utilisée pour créer l'arme la plus dévastatrice de l'histoire, la bombe atomique. Celle-ci nous a donné un indice sur ce qui s'est passé lors de cette première seconde. Lors d'une explosion atomique, des particules de matière éclatent et libèrent une énergie phénoménale. Lors du Big Bang, c'est exactement l'inverse qui se produit. Une quantité énorme d'énergie se transforme en matière. Grâce à l'équation d'Einstein, on peut donc tirer la conclusion suivante. À mesure que l'univers se dilate et se refroidit, l'énergie pure du Big Bang se transforme en particules de matière. Matière dont nous sommes constitués. Notre odyssée n'a commencé que depuis quelques fractions de secondes. Les premières particules de matière apparaissent. L'univers est 1 million de fois plus brûlant que le centre du Soleil. Encore bien trop chaud pour que ces particules fusionnent. Les scientifiques se retrouvent aujourd'hui face à une énigme. À quoi ressemblait ce premier état de la matière? Et comment s'est-elle transformée en protons et neutrons qui forment tous les atomes de l'univers? Ça ne pouvait pas être des atomes. C'est comme si on mettait un glaçon dans un sauna, il fondrait immédiatement. On ne peut pas avoir de glaçon dans un sauna. Voici la démonstration en images. Lorsque l'eau est suffisamment refroidie, elle devient solide. Chauffée, elle se transforme. Et si on chauffe cette eau, elle se change en gaz, en vapeur d'eau. Si on surchauffe un gaz, l'énergie dégagée fait éclater les atomes. Dans la première seconde, l'univers est tellement chaud que seuls les éléments de base des atomes peuvent y survivre. Si vous traversiez les premières secondes de l'univers, vous seriez désintégré. Vous seriez réduit en miettes et même les débris, les noyaux atomiques de votre corps se diviseraient en particules subatomiques. Il ne resterait rien de votre corps. Il n'y a qu'un seul moyen de voir à quoi ressemblaient ces particules élémentaires de matière dans la seconde qui a suivi le Big Bang. Il suffit de recréer les conditions du Big Bang. La température au cœur d'une étoile se mesure en dizaines de millions de degrés. Mais le Big Bang se mesure en billions de degrés.
Donc, le seul moyen de simuler l'instant de la naissance de l'univers, c'est avec un accélérateur de particules. En faisant entrer des protons en collision, on peut atteindre des températures qu'on n'a pas connues depuis la naissance de l'univers. L'accélérateur de particules est donc le seul gadget qui permette de simuler la genèse. Voici le laboratoire national de Brookhaven, à Long Island. C'est là que se trouve le collisionneur d'ion lourd relativiste, ou RIC, un anneau de 3,8 km destiné à accélérer pratiquement à la vitesse de la lumière des noyaux lourds de cuivre ou d'or. Dans un accélérateur de particules, on fait entrer en collision des particules subatomiques, ce qui provoque une gigantesque pluie de débris. Et justement, nous voulons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette collision. La collision dégage une énergie colossale. À moindre échelle, elle reproduit la naissance de l'univers dans la première seconde. Comment ? En arrachant aux noyaux atomiques les protons et les neutrons dont ils sont constitués. Cette énergie est même suffisante pour faire exploser les neutrons et les protons. Cela libère les constituants élémentaires de la matière, de minuscules particules appelées quarks. Mais ils sont tellement petits et se déplacent tellement vite qu'ils sont difficiles à observer. Si les scientifiques arrivent à comprendre comment se comportent les quarks, ils résoudront le mystère de la matière. Leur découverte pourrait révolutionner la médecine et relancer le programme spatial. Le projet RIC est initié en l'an 2000. La collision de noyaux provoquant une explosion désordonnée de particules, les experts savent qu'il faudra attendre 5 ans avant que le RIC ne donne ses premiers résultats. Quand en 2005 les premières données tombent, c'est l'étonnement général. On s'attendait à découvrir un gaz en faisant entrer en collision des atomes d'or. Et on a été très surpris de découvrir qu'il ne s'agissait pas du tout d'un gaz. Ça ressemblait plus à un liquide. On a été vraiment surpris. Maintenant, si on veut envisager la naissance de l'univers, il va falloir oublier cette idée d'un gaz de particules subatomiques. Aujourd'hui, on sait que c'est plus comme un liquide, comme une soupe. Lorsque la matière apparaît pour la première fois dans l'univers, les quarks sont tellement denses et chargés d'énergie que l'univers entier ressemble à un liquide. L'univers est passé d'une boule de feu à une soupe de quarks en un clin d'œil. Un liquide chaud, dense et mouvementé. Il grouille de minuscules particules en constante interaction. Tandis que notre horloge cosmique affiche le millionième de seconde, l'univers continue de se dilater et de se refroidir. Il passe de la taille d'un pamplemousse à celle de notre système solaire. L'énergie pure s'est transformée en matière. Or, on sait que sans la matière, nous ne serions pas là. C'est d'ailleurs ce qui a bien failli nous arriver. Car au cours de cette première seconde, une menace plane sur la matière. Une guerre terrible se prépare. Une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers est une gigantesque soupe de particules. Mais ces minuscules particules de matière vont devoir se battre pour survivre. Tout ce qui nous entoure contient de la matière formée grâce à l'énergie libérée par le Big Bang. Chaque molécule, chaque atome, chaque quark. Comment en sommes-nous arrivés à un univers constitué d'autant de matière? Voilà l'une des plus grandes questions de la science. Là encore, l'accélérateur de particules peut nous donner la réponse. Lorsque l'on recrée la première seconde du Big Bang, deux types de matière voient le jour à part égale. La première est la matière qui nous entoure. L'autre est son opposé, l'antimatière. Tara Shears, qui étudie la physique des particules, nous explique qu'il s'agit des deux faces de la même pièce. Cette pomme est constituée de matière. Nous savons que chaque particule de matière dans l'univers est associée à une particule d'antimatière créée lors du Big Bang.
L'antimatière est presque identique à la matière, mais pas tout à fait. En fait, on dirait le reflet de la matière. Donc une antipomme ressemble à ça. Si l'univers était constitué d'antimatière, il ressemblerait à l'univers que nous connaissons. Vous et moi serions faits d'antimatière. Des anti-amoureux seraient assis dans des anti-voitures à regarder une anti-lune et à échanger des anti-baisers. Ce serait pareil, en gros. Mais la matière et l'antimatière sont des ennemis jurés. Elles ne peuvent pas cohabiter. Lorsqu'une particule de matière rencontre une particule d'antimatière du même type, elles s'annulent. Elles explosent ensemble, elles se détruisent l'une l'autre. Toute l'énergie qu'elles libèrent provoque une gigantesque explosion d'une puissance incroyable. Quelques fractions de secondes après le Big Bang, l'avenir de l'univers est déjà en danger. La matière et l'antimatière se livrent un combat sans merci. L'univers est à peine né qu'il risque déjà de s'éteindre. Lorsque la matière entre en collision avec l'antimatière, le résultat est explosif. Une boule de matière de la taille d'une pomme qui entrerait en collision avec son équivalent en antimatière libérerait autant d'énergie qu'une bombe nucléaire de 10 mégatonnes. Si on pouvait revenir au tout début de l'univers, juste après le Big Bang, on se retrouverait au milieu d'un véritable bouillonnement de matière et d'antimatière se détruisant l'une l'autre. On serait en plein cœur d'une bataille cosmique entre les deux camps. Toutes les particules se trouvant dans un état liquide super dense, la matière et l'antimatière entrent rapidement en collision et se détruisent mutuellement. Puisqu'elles sont en nombre égal et que toute particule de matière rencontrant une particule d'antimatière est détruite, toute la matière devrait logiquement disparaître aussitôt qu'elle est créée. Toute la matière aurait rencontré l'antimatière et elle se serait annihilée en produisant un rayonnement pur. Et j'allais dire, on vivrait dans un univers de rayonnement pur. Mais on ne pourrait pas y vivre puisqu'on ne serait pas là. Il n'y aurait qu'un rayonnement. L'univers est pourtant rempli de matière. Comment a-t-elle vaincu l'antimatière ? C'est l'un des plus grands mystères de la science. D'après une théorie, l'antimatière serait moins stable et se désintégrerait plus rapidement, créant un léger déséquilibre entre matière et antimatière. Ce qui expliquerait la victoire de la matière. Quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose juste après le Big Bang qui a fait pencher la balance en faveur de la matière. La bataille a cessé à ce moment-là. Et il ne restait plus qu'une toute petite quantité de matière. Et c'est cette petite quantité de matière qui constitue l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous sommes les débris de cette guerre. Le résidu, ce qui reste quand tout est fini. Ce sont ces résidus qui vont former tout ce qui nous entoure. De la Terre que nous foulons jusqu'aux galaxies les plus lointaines. Lorsque notre horloge cosmique arrive à la fin de la première seconde, la superforce originelle s'est séparée en quatre forces distinctes. La matière a triomphé de l'antimatière. Et grâce aux infimes variations de température qui vont se répercuter dans l'univers, la gravitation va créer, au cours des milliards d'années à venir, des amas de matière qui formeront les galaxies. Mais un mystère reste à éclaircir, et pas des moindres. Nous savons comment les constituants de la matière se sont formés. Mais nous ignorons ce qui donne sa substance à tout ce qui nous entoure. Nous avons progressé, mais il manque une pièce du puzzle. Qu'est-ce qui confère à chaque chose sa masse dans l'univers ? La masse d'un corps est ce qui le rend difficile à déplacer ou arrêter. Lorsque nous sommes attirés vers le sol, c'est la gravité qui agit sur notre masse. Sur la Lune, la gravité est moins importante et les astronautes s'y déplacent plus lentement. Mais leur masse reste la même que sur Terre.
Même un objet qui ne pèse rien a une masse. Lors de cette première seconde, quelque chose a conféré une masse aux particules. Mais les scientifiques ignorent encore quoi. Il y a un trou, une pièce manquante, la pièce centrale de ce puzzle. Que s'est-il passé au cours de cette première seconde? Si on le découvre, on pourra connaître les pensées de Dieu, comme disait Albert Einstein. La masse est le cœur même de la vie. Sans la masse, l'univers serait constitué uniquement de rayonnement. Et rien ne pourrait s'agréger pour former des objets, comme vous et moi, ou toutes ces choses qui rendent l'univers si intéressant. Ce serait un univers diffus, plein de rayonnement, mais sans aucun intérêt. Si on découvre comment la masse s'est développée aux premiers instants de l'univers, on aura percé le secret de la vie. Si les scientifiques ne parviennent pas à découvrir d'où vient la masse des particules, cette première seconde restera une énigme. Notre périple est presque terminé. Et pourtant, il nous manque toujours une information cruciale. Cette question a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Puis, en 1964, à l'Université d'Édimbourg, le physicien Peter Higgs a proposé une théorie révolutionnaire. Selon Higgs, un champ de force invisible aurait balayé l'univers dans ses premiers instants, conférant une masse aux particules. C'est ce qu'on appelle le champ de Higgs. Lorsque les particules entrent en contact avec ce champ, elles acquièrent une masse. Imaginons que je suis en voiture et que je tombe en panne d'essence. Si je la pousse, je vais réussir à la faire avancer. Mais si elle roule dans de la boue, elle va me sembler plus lourde. Je ne vais plus y arriver. Eh bien, on pense que c'est un peu pour les mêmes raisons que les particules ont une masse. Il y a ce qu'on appelle le champ de Higgs, et les particules interagissent plus ou moins avec ce champ. Les particules qui interagissent le moins sont plus faciles à pousser et se comportent donc comme si elles étaient plus légères. Les particules qui interagissent le plus sont difficiles à déplacer et se comportent comme si elles étaient plus lourdes. Comme la boue, le champ de Higgs colle à tout ce qu'il touche. Lorsque des particules pénètrent dans le champ, elles acquièrent une masse. Plus elles interagissent avec le champ, plus leur masse est importante. Les scientifiques pensent que le champ de Higgs a pour vecteur une particule spéciale. La presse l'a baptisée la particule de Dieu. Les scientifiques l'appellent le boson de Higgs. L'identification de cette particule pourrait nous aider à comprendre le mystère de la création. La théorie tient la route, mais aucun accélérateur de particules n'a jamais été assez puissant pour trouver le boson de Higgs. Jusqu'à aujourd'hui. Enfoui sous terre, près de Genève, en Suisse, se trouve le dispositif expérimental le plus cher de l'histoire. Le grand collisionneur de Hadron, ou LHC. C'est le plus grand accélérateur de particules au monde et notre meilleur atout dans la traque au boson de Higgs. Nous voulons voir si la particule de Higgs existe réellement. Et c'est pour ça qu'il faut construire ces accélérateurs gigantesques, pour voir si nous pouvons comprendre le mécanisme responsable de l'existence de tout ce que nous considérons comme dense et lourd dans l'univers. Le LHC a coûté près de 3 milliards d'euros. Sa construction a duré 14 ans et a nécessité la collaboration de 7000 scientifiques. Il a été inauguré en 2008. À une moindre échelle, il recréera les conditions qu'a connues l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Une explosion tellement puissante qu'elle fera écho au Big Bang lui-même. Si ça marche, les scientifiques comme David Evans pourront résoudre le dernier mystère de la matière. De même que nous repoussons les frontières de la science, nous devons repousser les frontières de la technologie. C'est non seulement la plus grosse machine au monde, mais c'est sans conteste la plus complexe. Enterré à environ 100 mètres sous terre, l'accélérateur forme un anneau de 26 km. À l'intérieur, deux faisceaux de protons, plus fins qu'un cheveu, pourront être accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière,
plus de 299 000 km à la seconde. Le LHC fera se heurter les protons avec une énergie 7 fois plus grande que n'importe quel autre accélérateur. 300 billions de protons, répartis en deux faisceaux cheminant en sens inverse, parcourront l'anneau et se percuteront au centre d'énormes détecteurs. Lorenz Krauss part inspecter l'un de ces détecteurs, de la taille d'un immeuble de 5 étages. Je me trouve dans ce qui a été décrit comme l'une des cathédrales gothiques du 21e siècle. Ces structures gigantesques sont faites de milliers de tonnes d'acier, plus que la quantité de fer dans la tour Eiffel, et contiennent des dizaines de milliers de valves et de fils. Tout ça a été conçu par des milliers de physiciens de plusieurs centaines de nationalités et parlant des dizaines de langues différentes, au centième de millimètre près. Tout ça pour découvrir ce qui se passe là-dedans. Le long de l'anneau du LHC sont répartis quatre détecteurs géants. Celui dans lequel on espère observer le boson de Higgs est baptisé Atlas. Atlas fait la moitié de la taille d'un terrain de football et pèse aussi lourd qu'un sous-marin nucléaire. Il peut détecter 1000 milliards de collisions à la seconde. Lors d'une collision de protons, le choc sera tellement violent qu'il recréera en une fraction de seconde la matière, telle qu'elle était juste après le Big Bang. Une averse de particules fondamentales, comme les quarks. Dans les débris de cette explosion, les scientifiques espèrent trouver le mystérieux boson de Higgs. Mais vouloir dénicher une particule dans cette boule de feu revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Le boson de Higgs est tellement minuscule et a une durée de vie si courte que le détecteur ne pourra pas l'observer directement. Mais les scientifiques espèrent détecter la trace qu'il laissera derrière lui grâce aux caméras les plus sophistiquées du monde. Dans le sillage d'un avion, on voit un gigantesque panache de fumée, mais où est l'avion ? On ne le voit jamais, il est trop petit. C'est le même principe pour les détecteurs. Les détecteurs ne peuvent pas voir la particule, mais ils peuvent détecter la trace laissée par la particule subatomique. Et en étudiant cette trace, nous pouvons déterminer de quel genre de particule il s'agit et sa vitesse. Le LHC va produire plus de données que n'importe quel autre instrument sur la planète. En une seule seconde, la quantité de données qui sera générée par les collisions et recueillie par les détecteurs sera plus grande que la quantité d'informations contenues dans toutes les bibliothèques du monde entier. Nous allons obtenir quelque chose comme 15 millions de gigaoctets de données chaque année. Si on devait mettre ces données sur des CD, on produirait chaque année une pile de CD d'environ 15 km de haut. Ces données nous livreront peut-être le secret de la masse, la pièce manquante du puzzle, et nous ouvrirons la porte vers la science du futur. Afin de traiter toutes ces informations, LHC utilise le plus grand réseau de superordinateurs du monde. Cela n'empêchera pas les recherches de prendre plusieurs années. Mais l'attente en vaut la peine. Ce qui est excitant quand on travaille dans ce domaine, c'est de savoir qu'on va découvrir une vérité universelle. Si on découvre quelque chose de primordial sur notre univers, cette découverte sera éternelle. Éternelle dans le temps, mais aussi dans l'espace. Cette expérience pourrait enfin nous révéler les vérités essentielles à la base même de notre existence. Une perspective qui met les scientifiques du monde entier en effervescence. On ne sait pas encore ce que fera le LHC. On a de grands espoirs. Ça représente plus de puissance à une échelle plus petite. Il va nous emmener là où nous ne sommes jamais allés. Ce que le LHC va nous apprendre va changer notre façon de voir la première seconde du Big Bang. Toutes les preuves indirectes que nous avons indiquent que nous allons sûrement trouver la réponse à cette question. Ce n'est pas garanti, mais pour la première fois, nous sentons que nous sommes sur le point de faire cette découverte fondamentale. Si grâce au LHC, on trouve ne serait-ce qu'un élément de réponse à toutes ces questions,
Ce sera merveilleux pour nous de pouvoir étoffer notre connaissance de l'univers, de le comprendre encore mieux. C'est le rêve de tout physicien. Dans la salle de contrôle du LHC, l'expérience la plus importante de l'histoire de la science va bientôt commencer. Après les dernières vérifications, l'accélérateur est scellé, puis refroidi à une température plus basse que celle qui règne dans l'espace. Le LHC a été conçu, il a été construit, et aujourd'hui nous faisons les derniers tests avant de le mettre en route. Ce que vous voyez là, c'est où on en est des tests. Et les physiciens autour de nous observent ce qui se passe sur leur écran d'ordinateur. Le LHC pourrait lever le voile sur le plus grand mystère de la vie. Un peu comme si nous assistions au moment de la création. Si on observe le boson de Higgs, ce sera une découverte remarquable, car nous pourrons enfin répondre à cette question fondamentale: pourquoi sommes-nous là et pourquoi les particules ont-elles une masse? C'est difficile d'imaginer une question plus fondamentale que celle-là, et on est sur le point d'y répondre. Qui sait ce qui va se passer dans les 100 ou 150 ans à venir? Les découvertes que nous allons faire en physique nous serviront peut-être à aller voir s'il y a de la vie sur d'autres planètes, ou nous aideront à résoudre nos problèmes d'énergie. On ne le sait pas encore, c'est pour ça que c'est si palpitant. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Si l'expérience est réussie, le LHC pourrait ouvrir une nouvelle ère scientifique. Mais si elle ne nous permet pas de trouver le boson de Higgs, nous ne saurons toujours pas comment la matière a acquis sa masse. Et l'énigme de la première seconde ne sera pas entièrement résolu. Il faudra proposer de nouvelles théories et concevoir de nouvelles expériences. Je suis lucide. Je suis conscient qu'on ne trouvera peut-être rien du tout. Ça pourrait engendrer une crise dans le monde de la physique. Ça pourrait mettre un frein aux sciences physiques. Si nos machines ne s'avèrent pas assez puissantes pour lever le rideau sur l'acte suivant et nous en apprendre davantage sur la matière et l'énergie. Une chose est sûre. Grâce au LHC, les scientifiques vont quasiment toucher du doigt le Big Bang. L'accélérateur va revenir 13,7 milliards d'années en arrière pour recréer l'instant déterminant de la naissance de l'univers. La seconde qui a tout changé. L'aiguille de notre horloge cosmique avance d'un temps de Planck supplémentaire. L'univers est maintenant vieux d'une seconde. Il fait environ 1000 fois la taille de notre système solaire et grouille de particules de matière. Il s'est suffisamment refroidi pour que les quarks s'assemblent trois par trois et forment des protons et des neutrons. Dans la grande saga de l'univers, le premier chapitre de notre histoire vient de s'ouvrir. La première seconde de l'univers est un instant incroyablement important. C'est dans ce bref intervalle que toute la matière de l'univers a été créée, que tous les neutrons et les protons se sont formés. Tous les éléments essentiels qui composent l'univers aujourd'hui étaient déjà en place. Puis tout ça s'est développé. Dans les minutes qui suivent, l'univers se refroidit encore. Les protons et les neutrons constituent les premiers noyaux atomiques. 300 000 ans plus tard, le premier atome voit le jour. Puis, au cours des 200 millions d'années qui suivent, les étoiles se forment. Et un milliard d'années plus tard, les galaxies, comme la Voie lactée, apparaissent. Plus de 9 milliards d'années après le Big Bang, la Terre se forme. Un Big Bang, une seule seconde, la genèse de notre univers. À la fin de cette première seconde, toute l'histoire cosmique est écrite, y compris l'avenir de l'univers. Environ 13 milliards 695 millions d'années après le Big Bang, l'homme apparaît sur Terre. Une espèce suffisamment intelligente pour s'interroger sur ses origines
et sur la formation de l'univers. En ce début de 21e siècle, nous sommes plus près que jamais de la réponse. Et le secret réside dans la toute première seconde. En un battement de cils, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il peut se passer. Comment sommes-nous arrivés sur Terre? Et de quoi est fait l'univers? Le mystère de la création, le mystère de la vie tient tout entier dans cette première seconde. La science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé lors de l'instant le plus déterminant de toute notre histoire. Au commencement, il n'y a rien. Pas de matière, pas d'énergie, ni même de vide, car l'espace n'existe pas. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, venu de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome. Elle est... seconde, il y eut le Big Bang. Et l'univers est né. Si on regarde le spectre visible, il y a le rouge à une extrémité et le bleu à l'autre. La radiation rouge a une grande longueur d'onde, tandis que la radiation bleue a une longueur d'onde courte. Et quand on observe l'univers, on voit les radiations des galaxies lointaines s'étirer et leur lumière devenir rouge.
Et plus on regarde loin, plus c'est rouge. Les galaxies qui nous entourent présentent ce décalage spectral. Si on regarde un peu partout les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Presque toutes les galaxies s'éloignent à la vitesse d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Or, si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a forcément eu un moment où elles étaient regroupées. L'univers se dilate à partir d'un point unique. C'est la première preuve que l'univers a eu un commencement. Les découvertes d'Edwin Hubble vont... Pendant 20 ans, les scientifiques pensaient que l'univers était statique et qu'il existait depuis toujours. Tout cela change en 1929. À l'observatoire du mont Wilson, en Californie, l'astronome Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il constate que plus une galaxie est éloignée, plus la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet est grande. Plus les ondes lumineuses voyagent, plus elles s'étirent. Et par conséquent, leur longueur d'onde se modifie. Le même principe s'applique aux ondes sonores. Plus un train approche, plus son sifflet paraît aigu. Plus il s'éloigne, plus il devient grave. Plus le train est loin, plus la distance parcourue par les ondes sonores pour atteindre notre oreille augmente. Les ondes sonores s'étirent, ce qui donne un son plus grave. Quand une galaxie s'éloigne de nous, ses ondes lumineuses s'étirent, devenant plus longues et plus rouges. On parle alors d'un décalage spectral vers le rouge. 10 billions de fois plus chaude que le centre du Soleil. C'est l'explosion de ce point, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, qui va engendrer l'univers. Le temps commence à se dérouler. En l'espace d'une seconde, le cosmos tout entier se profile. Comment est-ce arrivé? C'est le plus grand mystère de tous les temps. Le professeur Lawrence Krauss a consacré toute sa carrière à étudier cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Pour bien comprendre notre place dans l'univers, il nous faut revenir au tout début et à comment tout ça s'est formé. S'interroger sur l'origine de l'univers est une préoccupation relativement nouvelle. Car si la théorie du Big Bang est aujourd'hui largement acceptée, elle est née il y a seulement un siècle. Notre connaissance de l'univers est très récente. Environ 13 milliards 695 millions d'années après le Big Bang, l'homme apparaît sur Terre. Une espèce suffisamment intelligente pour s'interroger sur ses origines et sur la formation de l'univers. En ce début de 21e siècle, nous sommes plus près que jamais de la réponse. Et le secret réside dans la toute première seconde.
En un battement de cils, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il peut se passer. Comment sommes-nous arrivés sur Terre? Et de quoi est fait l'univers? Le mystère de la création, le mystère de la vie tient tout entier dans cette première seconde. La science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé lors de l'instant le plus déterminant de toute notre histoire. Seconde, il y eut le Big Bang. Et l'univers est né. Si on regarde le spectre visible, il y a le rouge à une extrémité et le bleu à l'autre. La radiation rouge a une grande longueur d'onde, tandis que la radiation bleue a une longueur d'onde courte. Et quand on observe l'univers, on voit les radiations des galaxies lointaines s'étirer et leur lumière devenir rouge. Et plus on regarde loin, plus c'est rouge. Les galaxies qui nous entourent présentent ce décalage spectral. Si on regarde un peu partout les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Presque toutes les galaxies s'éloignent à la vitesse d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Or, si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a forcément eu un moment où elles étaient regroupées. L'univers se dilate à partir d'un point unique. C'est la première preuve que l'univers a eu un commencement. Les découvertes d'Edwin Hubble vont... À 80 ans, les scientifiques pensaient que l'univers était statique et qu'il existait depuis toujours. Tout cela change en 1929. À l'observatoire du mont Wilson, en Californie, l'astronome Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il constate que plus une galaxie est éloignée, plus la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet est grande. Plus les ondes lumineuses voyagent, plus elles s'étirent, et par conséquent, leur longueur d'onde se modifie. Le même principe s'applique aux ondes sonores. Plus un train approche, plus son sifflet paraît aigu. Et l'univers est né. Si on regarde le spectre visible, il y a le rouge à une extrémité et le bleu à l'autre. La radiation rouge a une grande longueur d'onde, tandis que la radiation bleue a une longueur d'onde courte. Et quand on observe l'univers, on voit les radiations des galaxies lointaines s'étirer et leur lumière devenir rouge. Et plus on regarde loin, plus c'est rouge. Les galaxies qui nous entourent présentent ce décalage spectral. Si on regarde un peu partout les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Presque toutes les galaxies s'éloignent à la vitesse d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Or, si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a forcément eu un moment où elles étaient regroupées. L'univers se dilate à partir d'un point unique. C'est la première preuve que l'univers a eu un commencement. Les découvertes d'Edwin Hubble vont... À 80 ans, les scientifiques pensaient que l'univers était statique et qu'il existait depuis toujours. Tout cela change en 1929. À l'observatoire du mont Wilson, en Californie,
l'astronome Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il constate que plus une galaxie est éloignée, plus la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet est grande. Plus les ondes lumineuses voyagent, plus elles s'étirent. Et par conséquent, leur longueur d'onde se modifie. Le même principe s'applique aux ondes sonores. Plus un train approche, plus son sifflet paraît aigu. Plus il s'éloigne, plus il devient grave. Plus le train est loin, plus la distance parcourue par les ondes sonores pour atteindre notre oreille augmente. Les ondes sonores s'étirent, ce qui donne un son plus grave. Quand une galaxie s'éloigne de nous, ses ondes lumineuses s'étirent, devenant plus longues et plus rouges. On parle alors d'un décalage spectral vers le rouge. 10 billions de billions de fois plus chaude que le centre du Soleil. C'est l'explosion de ce point, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, qui va engendrer l'univers. Le temps commence à se dérouler. En l'espace d'une seconde, le cosmos tout entier se profile. Comment est-ce arrivé? C'est le plus grand mystère de tous les temps. Le professeur Lawrence Krauss a consacré toute sa carrière à étudier cette première seconde qui a... de seconde, il y eut le Big Bang. Et l'univers est né. En un battement de cils, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il peut se passer. Comment sommes-nous arrivés sur Terre? Et de quoi est fait l'univers? Le mystère de la création, le mystère de la vie tient tout entier dans cette première seconde. La science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé lors de l'instant le plus déterminant de toute notre histoire. Au commencement, il n'y a rien. Pas de matière, pas d'énergie. Ni même de vide, car l'espace n'existe pas. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, venu de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome. Elle est 10 billions de billions de fois plus chaude que le centre du Soleil. C'est l'explosion de ce point, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, qui va engendrer l'univers. Le temps commence à se dérouler. En l'espace d'une seconde, le cosmos tout entier se profile. Comment est-ce arrivé? C'est le plus grand mystère de tous les temps. Le professeur Lawrence Krauss a consacré toute sa carrière à étudier cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Pour bien comprendre notre place dans l'univers, il nous faut revenir au tout début et à comment tout ça s'est formé. S'interroger sur l'origine de l'univers est une préoccupation relativement nouvelle. Car si la théorie du Big Bang est aujourd'hui largement acceptée, de la matière, et comment s'est-elle transformée en protons et neutrons qui forment tous les atomes de l'univers? Ça ne pouvait pas être des atomes. C'est comme si on mettait un glaçon dans un sauna, il fondrait immédiatement. On ne peut pas avoir de glaçon dans un sauna. Voici la démonstration en image. Lorsque l'eau est suffisamment refroidie, elle devient solide. Chauffée, elle se transforme.
si on chauffe cette eau, elle se change en gaz, en vapeur d'eau. Si on surchauffe un gaz, l'énergie dégagée fait éclater les atomes. Dans la première seconde, l'univers est tellement chaud que seuls les éléments de base des atomes peuvent y survivre. Si vous traversiez les premières secondes de l'univers, vous seriez désintégré. Vous seriez réduit en miettes et même les débris, les noyaux atomiques de votre corps se diviseraient en particules subatomiques. Il ne resterait rien de votre corps. Il n'y a qu'un seul moyen de voir à quoi ressemblaient ces particules élémentaires de matière dans la seconde qui a suivi le Big Bang. Il suffit de recréer les conditions du Big Bang. La température au cœur d'une étoile se mesure en dizaines de millions de degrés. Mais le Big Bang se mesure en billions de degrés. Donc, le seul moyen de simuler l'instant de la naissance de l'univers, c'est avec un accélérateur de particules. En faisant entrer des protons en collision, on peut atteindre des températures qu'on n'a pas connues depuis la naissance de l'univers. L'accélérateur de particules est donc le seul gadget qui permette de simuler la genèse. Voici le laboratoire national de Brookhaven, à Long Island. C'est là que se trouve le collisionneur d'ions lourds relativistes, ou RIC, un anneau de 3,8 km destiné à accélérer pratiquement à la vitesse de la lumière des noyaux lourds de cuivre ou d'or. Dans un accélérateur de particules, on fait entrer en collision des particules subatomiques, ce qui provoque une gigantesque pluie de débris. Et justement, nous voulons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette collision. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, venu de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome. Elle est... seconde, il y eut le Big Bang. Et l'univers est né. Si on regarde le spectre visible, il y a le rouge à une extrémité et le bleu à l'autre. La radiation rouge a une grande longueur d'onde, tandis que la radiation bleue a une longueur d'onde courte. Et quand on observe l'univers, on voit les radiations des galaxies lointaines s'étirer et leur lumière devenir rouge. Et plus on regarde loin, plus c'est rouge. Les galaxies qui nous entourent présentent ce décalage spectral. Si on regarde un peu partout les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Presque toutes les galaxies s'éloignent à la vitesse d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Or, si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a forcément eu un moment où elles étaient regroupées. L'univers se dilate à partir d'un point unique. C'est la première preuve que l'univers a eu un commencement. Les découvertes d'Edwin Hubble vont... À 20 ans, les scientifiques pensaient que l'univers était statique et qu'il existait depuis toujours. Tout cela change en 1929. À l'observatoire du mont Wilson, en Californie, l'astronome Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies.
Il constate que plus une galaxie est éloignée, plus la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet est grande. L'aiguille de notre horloge cosmique fait quelques petits bonds en avant et la boule de feu se métamorphose. L'univers, qui était plusieurs milliards de fois plus petit qu'un atome, atteint soudain la taille d'une balle de baseball. C'est le plus fort taux d'expansion qu'il connaîtra en 13,7 milliards d'années. Les scientifiques appellent cette étape l'inflation. Et on en trouve la trace dans le rayonnement cosmique fossile du Big Bang. Tout comme la neige qui brouille votre écran, ce rayonnement cosmique semble constant et régulier. Il représente une véritable énigme pour les scientifiques. Quand on mesure le fond diffus cosmologique dans cette direction, sa température est identique à celle dans cette direction. C'est la même partout. Seule explication possible, l'univers se dilate à une vitesse incommensurablement plus grande que celle de la lumière. Lors de la phase d'inflation, l'univers enfle de manière symétrique, comme un ballon de baudruche, poussé par une énergie colossale. Imaginez que j'appuie sur un ressort. Je le comprime au maximum. Le ressort devient plus petit et emmagasine une énergie incroyable. Et quand je le relâche, il se détend d'un coup. Toute cette énergie emmagasinée permet à l'univers une expansion exponentielle. Mais si l'univers est parfaitement uniforme dès la première seconde qui suit le Big Bang, comment sont apparues les galaxies? À l'origine, les planètes et les étoiles ne sont que des amas de particules. Avec le temps, ces particules de matière s'assemblent sous l'action de la gravité et constituent une masse solide. La Terre n'était au départ qu'un amas de particules qui se sont agrégées sous les effets de la friction et de la gravité. Et le Soleil, qui a rendu la vie possible sur Terre, n'était au départ qu'un nuage de gaz et de poussière. Mais comment au juste vont se former ces amas ? Pour tenter de comprendre la formation des étoiles et des planètes, les scientifiques de la NASA, comme David Spergel, ont développé la sonde WMAP, un satellite chargé de mesurer précisément les fluctuations de température du rayonnement cosmologique. Ce rayonnement est omniprésent, mais il est très diffus. Et pour l'observer en détail dans le ciel, il faut s'éloigner de la Terre et de toute interférence. 7, mise à feu, les signaux sont au vert. 5. La NASA lance la sonde en 2001. Allumage des moteurs. La première seconde ne sera pas entièrement résolue. Il faudra proposer de nouvelles théories et concevoir de nouvelles expériences. Je suis lucide. Je suis conscient qu'on ne trouvera peut-être rien du tout. Ça pourrait engendrer une crise dans le monde de la physique. Ça pourrait mettre un frein aux sciences physiques. Si nos machines ne s'avèrent pas assez puissantes pour lever le rideau sur l'acte suivant et nous en apprendre davantage sur la matière et l'énergie. Une chose est sûre. Grâce au LHC, les scientifiques vont quasiment toucher du doigt le Big Bang. L'accélérateur va revenir 13,7 milliards d'années en arrière pour recréer l'instant déterminant de la naissance de l'univers. La seconde qui a tout changé. L'aiguille de notre horloge cosmique avance d'un temps de Planck supplémentaire. L'univers est maintenant vieux d'une seconde. Il fait environ 1000 fois la taille de notre système solaire et grouille de particules de matière. Il s'est suffisamment refroidi pour que les quarks s'assemblent 3 par 3 et forment des protons et des neutrons. Dans la grande saga de l'univers, le premier chapitre de notre histoire vient de s'ouvrir. La première seconde de l'univers est un instant incroyablement important. C'est dans ce bref intervalle que toute la matière de l'univers a été créée, que tous les neutrons et les protons se sont formés. Tous les éléments essentiels qui composent l'univers aujourd'hui étaient déjà en place. Puis tout ça s'est développé.
Dans les minutes qui suivent, l'univers se refroidit encore. Les protons et les neutrons constituent les premiers noyaux atomiques. 300 000 ans plus tard, le premier atome voit le jour. Puis, au cours des 200 millions d'années qui suivent, les étoiles se forment. Et un milliard d'années plus tard, les galaxies, comme la Voie lactée, apparaissent. Plus de 9 milliards d'années après le Big Bang, la Terre se forme. Un Big Bang, une seule seconde, la genèse de notre univers. À la fin de cette première seconde, toute l'histoire cosmique est écrite, y compris l'avenir de l'univers. Environ 13 695 millions d'années après le Big Bang, l'homme apparaît sur Terre. Une espèce suffisamment intelligente, la voûte céleste, représente de minuscules variations de température. Les petites zones bleues sont des zones où il fait quelques dizaines de millièmes de degrés plus froid. Et dans les zones rouges, il fait un peu plus chaud. On constate donc de minuscules variations de température dans le ciel. La sonde nous montre l'univers tel qu'il était il y a plus de 13 milliards d'années. L'univers continue de se dilater. Et ces minuscules variations vont se transformer en amas de particules qui vont grandir sous l'effet de la gravité et devenir suffisamment dense pour donner naissance à des étoiles et des galaxies. C'est le rêve de tous ceux qui embrassent une carrière scientifique. Voir des choses que personne n'avait jamais vues. Apprendre des choses passionnantes sur des questions fondamentales comme « De quoi est fait l'univers ? Que s'est-il passé au tout début ?» Voici une carte de l'univers dans la seconde qui a suivi le Big Bang. L'ébauche du cosmos que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque les images du fond diffus cosmologique sont arrivées, la presse a titré « Le visage de Dieu ». Soyons réalistes, ce n'est pas le visage de Dieu, c'est en fait la photo d'un bébé, d'un univers balbutiant. Et donc la découverte du fond diffus cosmologique est vraiment l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de tous les temps. Moins d'un billionième de seconde après le Big Bang, l'univers se dilate encore. La boule de feu a désormais la taille d'un pamplemousse. L'univers grouille d'énergie et de radiation. Mais, à mesure qu'il se dilate et se refroidit, quelque chose de nouveau voit le jour. À peine une fraction de seconde après le Big Bang, le destin du cosmos semble déjà tout tracé. Le Soleil brûle grâce à des forces apparues il y a 13,7 milliards d'années. Les étoiles et les planètes se sont formées grâce à l'expansion rapide de l'univers. La science peut relier tout ce que nous connaissons aujourd'hui à la première seconde de la création. Les humains, eux, sont apparus grâce à ce qui s'est passé durant le temps de Planck suivant. L'univers est rempli d'éléments de base qui vont former la matière. Pour l'instant, à l'échelle de notre horloge cosmique, l'univers n'est physique. Si nos machines ne s'avèrent pas assez puissantes pour lever le rideau sur l'acte suivant et nous en apprendre davantage sur la matière et l'énergie. Une chose est sûre, grâce au LHC, les scientifiques vont quasiment toucher du doigt le Big Bang. L'accélérateur va revenir 13,7 milliards d'années en arrière pour recréer l'instant déterminant de la naissance de l'univers. La seconde qui a tout changé. L'aiguille de notre horloge cosmique avance d'un temps de Planck supplémentaire. L'univers est maintenant vieux d'une seconde. Il fait environ 1000 fois la taille de notre système solaire et grouille de particules de matière.
Il s'est suffisamment refroidi pour que les quarks s'assemblent 3 par 3 et forment des protons et des neutrons. Dans la grande saga de l'univers, le premier chapitre de notre histoire vient de s'ouvrir. La première seconde de l'univers est un instant incroyablement important. C'est dans ce bref intervalle que toute la matière de l'univers a été créée, que tous les neutrons et les protons se sont formés. Tous les éléments essentiels qui composent l'univers aujourd'hui étaient déjà en place. Puis tout ça s'est développé. Dans les minutes qui suivent, l'univers se refroidit encore. Les protons et les neutrons constituent les premiers noyaux atomiques. 300 000 ans plus tard, le premier atome voit le jour. Puis, au cours des 200 millions d'années qui suivent, les étoiles se forment. Et un milliard d'années plus tard, les galaxies, comme la Voie lactée, apparaissent. Plus de 9 milliards d'années après le Big Bang, la Terre se forme. Un Big Bang, une seule seconde, la genèse de notre univers. À la fin de cette première seconde, toute l'histoire cosmique est écrite, y compris l'avenir de l'univers. Environ 13 695 millions d'années après le Big Bang, l'homme apparaît sur Terre. Une espèce suffisamment intelligente pour s'interroger sur ses origines et sur la formation de l'univers. En ce début de 21e siècle, nous sommes plus près que jamais de la réponse. Et le secret réside dans la toute première seconde. Déjà en place. Puis tout ça s'est développé. Dans les minutes qui suivent, l'univers se refroidit encore. Les protons et les neutrons constituent les premiers noyaux atomiques. 300 000 ans plus tard, le premier atome voit le jour. Puis, au cours des 200 millions d'années qui suivent, les étoiles se forment. Et un milliard d'années plus tard, les galaxies, comme la Voie lactée, apparaissent. Plus de 9 milliards d'années après le Big Bang, la Terre se forme. Un Big Bang, une seule seconde, la genèse de notre univers. À la fin de cette première seconde, toute l'histoire cosmique est écrite, y compris l'avenir de l'univers. Environ 13 695 millions d'années après le Big Bang, l'homme apparaît sur Terre. Une espèce suffisamment intelligente pour s'interroger sur ses origines et sur la formation de l'univers. En ce début de 21e siècle, nous sommes plus près que jamais de la réponse. Et le secret réside dans la toute première seconde.
sera générée par les collisions et recueillie par les détecteurs sera plus grande que la quantité d'informations contenues dans toutes les bibliothèques du monde entier. Nous allons obtenir quelque chose comme 15 millions de gigaoctets de données chaque année. Si on devait mettre ces données sur des CD, on produirait chaque année une pile de CD d'environ 15 km de haut. Ces données nous livreront peut-être le secret de la masse, la pièce manquante du puzzle, et nous ouvrirons la porte vers la science du futur. Afin de traiter toutes ces informations, LHC utilise le plus grand réseau de superordinateurs du monde. Cela n'empêchera pas les recherches de prendre plusieurs années. Mais l'attente en vaut la peine. Ce qui est excitant quand on travaille dans ce domaine, c'est de savoir qu'on va découvrir une vérité universelle. Si on découvre quelque chose de primordial sur notre univers, cette découverte sera éternelle. Éternelle dans le temps, mais aussi dans l'espace. Cette expérience pourrait enfin nous révéler les vérités essentielles à la base même de notre existence. Une perspective qui met les scientifiques du monde entier en effervescence. On ne sait pas encore ce que fera le LHC. On a de grands espoirs. Ça représente plus de puissance à une échelle plus petite. Il va nous emmener là où nous ne sommes jamais allés. Ce que le LHC va nous apprendre va changer notre façon de voir la première seconde du Big Bang. Toutes les preuves indirectes que nous avons indiquent que nous allons sûrement trouver la réponse à cette question. Ce n'est pas garanti, mais pour la première fois, nous sentons que nous sommes sur le point de faire cette découverte fondamentale. Si grâce au LHC, on trouve ne serait-ce qu'un élément de réponse à toutes ces questions, ce sera merveilleux pour nous de pouvoir étoffer notre connaissance de l'univers, de le comprendre encore mieux. C'est le rêve de tout physicien. Dans la salle de contrôle du LHC, l'expérience la plus importante de l'histoire de la science va bientôt commencer. Après les dernières vérifications, l'accélérateur est scellé, puis refroidi à une température plus basse que celle qui règne dans l'espace. Le LHC a été conçu, il a été construit, et aujourd'hui nous faisons les derniers tests avant de le mettre en route. Ce que vous voyez là, c'est où on en est des tests. Et les physiciens autour de nous observent ce qui se passe sur leur écran d'ordinateur. Le LHC pourrait lever le voile sur le plus grand mystère de la vie. Un peu comme si nous assistions au moment de la création. Lorsque l'on recrée la première seconde du Big Bang, deux types de matière voient le jour à part égale. La première est la matière qui nous entoure. L'autre est son opposé, l'antimatière. Tara Shears, qui étudie la physique des particules, nous explique qu'il s'agit des deux faces de la même pièce. Cette pomme est constituée de matière. Nous savons que chaque particule de matière dans l'univers est associée à une particule d'antimatière créée lors du Big Bang. L'antimatière est presque identique à la matière, mais pas tout à fait. En fait, on dirait le reflet de la matière. Donc une antipomme ressemble à ça. Si l'univers était constitué d'antimatière, il ressemblerait à l'univers que nous connaissons. Vous et moi serions faits d'antimatière. Des anti-amoureux seraient assis dans des anti-voitures à regarder une anti-lune et à échanger des anti-baisers. Ce serait pareil, en gros. Mais la matière et l'antimatière sont des ennemis jurés. Elles ne peuvent pas cohabiter. Lorsqu'une particule de matière rencontre une particule d'antimatière du même type, elles s'annulent. Elles explosent ensemble, elles se détruisent l'une l'autre. Toute l'énergie qu'elles libèrent provoque une gigantesque explosion d'une puissance incroyable. Quelques fractions de secondes après le Big Bang, l'avenir de l'univers est déjà en danger. La matière et l'antimatière se livrent un combat sans merci. L'univers est à peine né qu'il risque déjà de s'éteindre. Lorsque la matière entre en collision avec l'antimatière, le résultat est explosif.
une boule de matière de la taille d'une pomme qui entrerait en collision avec son équivalent en antimatière libérerait autant d'énergie qu'une bombe nucléaire de 10 mégatonnes. Si on pouvait revenir au tout début de l'univers, juste après le Big Bang, on se retrouverait au milieu d'un véritable bouillonnement de matière et d'antimatière se détruisant l'une l'autre. On serait en plein cœur d'une bataille cosmique entre les deux camps. Toutes les particules se trouvant dans un état liquide super dense, la matière et l'antimatière entrent rapidement en collision et se détruisent mutuellement. Puisqu'elles sont en nombre égal et que toute particule de matière rencontrant une particule d'antimatière est détruite, toute la matière devrait logiquement disparaître aussitôt qu'elle est créée. Toute la matière aurait rencontré l'antimatière et elle se serait annihilée en produisant un rayonnement pur. Et j'allais dire, on vivrait dans un univers.